Bonjour, bonsoir, chers abonnés de la chaîne 2K Design, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à la cité de Miabi, environ 45 km de la ville de Mbujimayi. Nous sommes ici sur l'avenue Kalonji Moulopwe où se passent tous les travaux de réhabilitation et la modernisation de cette avenue par la société Safrimex. Environ 6 km de cette route sera asphaltée et aujourd'hui déjà c'est plus de 600 mètres qui sont asphaltés. Il y a eu pose de la couche d'enrobé et cette couche qui mesure 5 cm. Nous allons vous laisser d'abord suivre les impressions des habitants de ce côté. C'est une commune, comme on peut l'appeler rural, ben, ça doit changer. C'est une commune qui, pour moi, est une commune urbaine parce que nous voyons déjà les œuvres urbaines qui débitent pour ces derniers temps. Nous voyons l'électrification de la commune de Miabi, nous voyons des routes macadamisées. Ça nous donne l'impression de dire que c'est une commune urbaine. Mais quant à l'histoire de Miabi, Miabi est un territoire au centre de la province du Kasaï oriental. Et voilà aujourd'hui, après avoir consommé inutilement 33 ans, 3 ans, 18 ans, tout ça, voilà aujourd'hui, avec le pouvoir actuel, nous avons une solution qui peut aussi nous aider. Cette route peut nous servir pour des dessertes agricoles, pour quand même nous pousser à nous émerger. Mon frère, il n'y a pas à dire. Si j'ai dit que nous avons consommé inutilement 33 ans, 18 ans, 3 ans, et voilà aujourd'hui, nous avons une solution. Nous avons ce que nous pouvons dire, les rêves manifestés. C'est ça ce que moi, je peux vous dire. Mais les travaux se sont bien déroulés avec beaucoup de politesse des agents, des travailleurs de la société. Et la société nous a bien servi. Il n'y a pas de dire autrement sur ça. Mais quand même, c'est une œuvre qui va durer longtemps. Une œuvre qui va faire émerger d'abord notre territoire et notre cité, notre commune urbaine pour moi. Quand on urbanise un milieu ou bien quand on lotit un milieu, on doit quand même avoir un changement. Le changement en tout, en physique et en finance. Ça, ne vous en faites pas. Les parcelles se vendaient ici, j'ai dit, à un prix là, dérisoire, croyant peut-être que c'est une brousse. Mais aujourd'hui, ce qui était brousse est devenu ce que vous voyez maintenant. Les prix doivent grimper. Parce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez vous amener encore 2 000 $ pour vous taper une parcelle ici. Vous n'en aurez pas. Parce que c'est tout le monde qui a compris que nous sommes dans un coin qui est en train de pousser. Moi, je me réfère toujours à la parole de Mobutu. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Vous voyez, nous avons consommé de temps inutilement avec le temps passé, nous avons consommé inutilement. Aujourd'hui, il y a bien éclairé par des lampadaires. Il y a même des poteaux d'électrification qui sont partout. Les routes sont aménagées. Les avenues sont devenues sont devenues bonnes et belles aussi. Et nous sommes très contents d'être à Miabi. Et nos frères qui étaient partis, croyant que Miabi restera une brousse, qu'ils reviennent, ils vont trouver feu flamme ici à Miabi. Tout a chauffé. Le président de la République, c'est l'homme qu'il faut et c'est l'homme même qu'il fallait. Parce que dire que nous avons consommé le temps inutilement, c'est-à-dire qu'il y avait des pouvoirs qui étaient avant lui, mais qui n'avaient pas songé aux œuvres comme ça. Mais s'il a fait ça, qu'il sache bien que même les fœtus les voteront dans ce territoire, dans cette commune. Même les fœtus, il est le candidat le plus aimé, et même les fœtus de nos femmes voteront pour lui. Par rapport à Mijumui Dienze, quand nous avons dit que 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 nous avons Je ne sais pas si tu es un homme.
mwena mwamboje mpera bundu bwakudamba bugubwo kwata chuwoi wama tubayi mukalela mwakabeka mwanto anjikwenda mazewu tambwa binji wabaka bombo chuwoi wakwe tuhambele mukamwanga ekelekelekelekelekele balu mana fuila ino muna bwalu kubobwebo sasa kije Zela oyo ezaki akokufa zele zaki te tubanda kotambola donc mabaku pamba pamba et puis ba mabulu pamba pamba balizibama ezaki partout par là c'est que tubanda kotambola malamu te bon zamba sali sinde pele to komo tambola boyo to somona pa lese to tambola lese kutu esengo makasi wana uzata na posa okende et pas msusu eh na kokene luka nini to baninga ba okende si ba okete la ba goudro atambola pe na prince pour atikala komona yango te mais na mitu yango to komo mona yango skona kendo luka nini nan awa na minute odonga pela sepela tomo luka na baninga na biso bakenda kenda bipai bazonga mboka ngwe bandi obonga tuzo pesa ba konsere biso merci mingi na weza kosala peto zana sengo zamba pambo na bango bako balisu na kosala boye ile ka oyo nde sengo tozana ngwe yango wana hajime 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 hajime